Salut à tous, on se retrouve pour la suite de Civ Beyond Earth. Oh yeah, je viens de me faire attaquer par l'Africain qui m'a déclaré la guerre. Comme ça. Parce que bon, il a pas dû trop apprécier que je m'installe vraiment à côté de chez lui. Et du coup, il m'envoie ses troupes, mine de rien, il fait beaucoup de dégâts, hein. Il envoie des dragons. Moi, je pensais que le golem allait être complètement OP avec ses 106 de puissance, mais bon. L'autre type en face résiste bien. Heureusement, j'ai une combinaison de combat. J'ai une cage à drone d'élite qui va pouvoir soigner mes unités. Et j'ai bien sûr toutes mes forces navales qui m'aident à défendre. Bon, de ce côté-là, j'ai pas grand-chose à craindre puisque mes villes sont très résistantes. Mais il va falloir faire attention parce que j'ai vidé mon compte en banque et mon capital diplomatique. Voilà. Sur ce, on va faire état d'alerte. État d'alerte. Tour suivant. Je vais peut-être réussir à lui déclarer la... à lui faire une demande de paix. C'est quoi ça? Sois un bio puits, t'as pas fini toi. Toi tu continues les roches, hein, il nous en faut. Ah, et le chat qui vient me rendre visite. C'était quoi que je faisais ici? Qu'est-ce que je faisais ici? Ah, c'était un nœud. C'était un nœud, d'accord. Très bien. Bah parfait, tour suivant. On va voir comment se comporte ma cage à drone d'élite. Du coup, il fonce sur ma ville. Du coup, lui aussi, il a des combinaisons de combat d'élite. Ça ne m'arrange pas, et je viens de découvrir l'agriculture verticale. Qui existe depuis le 19e siècle, ce n'était pas le concept qui se devait d'évoluer, mais plutôt l'esprit de ceux qui l'utilisaient. Ok, bon, alors je suis à moins 1 d'aéroche. Ça c'est quand même un petit peu problématique, voyez-vous. Très bien, donc là j'ai un Eidolon. Ici ça va, je me suis soigné. Là... on attaque. Là, on attaque. On agresse. Là, on attaque aussi. Très bien, parfait. À Manoël, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Éventuellement des troupes. On va faire des troupes ici. Tu vas rester en état d'alerte. Là, tu vas rester en état d'alerte. Là, tu vas revenir. On se retranche ici, voilà. Parfait. Là, je vais prendre cher. Alors, quitte à... ça, c'est quoi? Ah ouais, des geôliers. Autant... ouais, parce que ça c'est une erreur de sa part, voyez-vous, et en plus avec mon autoluge, on va voir ce que je peux faire. On va attaquer eux. Parfait, très bien, on y va. Et j'ai mes Eidolons qui suivent derrière, donc là ça devrait le faire. Ils devraient pas trop me poser de problèmes. J'aimerais bien finir mon nœud par contre. Mes ouvriers, ils vont se faire défoncer, je le sens. Fini la ferme au moins. Ah, même pas, t'as pas fini. Le biopuits. 3 tours. Ouais. Ah, je sens que je vais me faire éclater mes ouvriers, mais je suis pas sûr. Et les mouillards. Et les mouillards, tu vas me faire un cabinet de chirurgie optique. Et à Charan. Ah oui, bah là, déglingue-moi ça. Ah, Vanfald, pardon. Vanfald, tu vas me faire un centre d'information. Parfait. Très bien, donc là j'ai mon petit sous-marin. Ok, bon bah ça le fait. Choisir une construction à Citadella. Une forge, non. Un baron, non. Là j'ai pas besoin, il me faut vraiment des exterminateurs. Cage à drone d'élite, Eidolon.
Eidolon, c'est vraiment bien. C'est des bonnes unités. Car en plus, elles peuvent se soigner sur le terrain toutes seules. Ça fait plaisir. Culture plus 1, académie, culture plus 1, protogénétique. On va essayer de faire ça. 5 tours. Génétique extraterrestre, biocuit, science, ouais, d'accord. Oh, je produis 450 de science, la vache. C'est pas dégueulasse. Allez, tour suivant. Il y a mon petit explorateur qui vagabonde toujours. Lui, il va se faire éclater, je sens, mais on va voir. Par contre, je suis à moins 1 d'ailleurs. Ah, mais il a pas fini, lui. Ouais. Dans 5 tours, ça met du temps quand même. Bon, je vais vous porter aéronef. Oh, Samatar, Jamabar a terminé la construction de la porte de l'Exode. Oh putain, attends. Oh là, je me fais attaquer là. Oh putain. Oh putain. Attends, victoire. Samatar, Jamabar là. Installer les réfugiés terriens. Si vous ne parvenez pas à exploiter les nombreuses ressources de la mer, ce n'est pas parce que votre peuple manque de moyens, mais parce que vous manquez d'imagination. Ah, parfait. Putain, 20 tours. 0 sur 20. Encore 17 tours. Oh putain. J'ai 3 tours d'avance sur lui, les gars. Alors là, par contre, on va la soigner. Ça fait mal quand même. Hein. Parfait, donc là on va en profiter, on va lui éclater ça. Je risque de perdre mon golem là, ça fait. C'est con là. Parce qu'il y a des miasmes de merde. Là, ah ouais, des geôliers, ça c'est intéressant. Attendez, j'ai obtenu une vétérance augmentée. Et tu vas te soigner, tu vas te soigner. Là, tac, tu restes là. Elle est mouir, très bien. Alors, elle est mouir. Tu vas me faire. Pardon. RAS, plateforme de robotique et de précision. Comment ça. C'est ça les. Ah, mais c'est ça les virtuoses. Mais ils sont pas très bons, quoi. Bon, allez, on va en faire quand même. Ils sont pas très puissants, c'est ça que je voulais dire. On va faire des virtuoses. Ouais, on va produire des troupes dans les autres villes, du coup, pour nous aider, parce que sinon, ça va pas le faire. Ouais, du coup, ça stagne, puisque j'ai pas de bouffe dans ce coin, c'est une catastrophe. On va faire ça, ferme. Là, j'ai mon sous-marin qui va rester en état d'alerte. Ah, du coup là mon truc va soigner personne. C'est triste. Ah c'est triste quand même. Toi tu vas te soigner. Et toi tu vas te soigner. Là en état d'alerte. Bon tout le monde reste en état d'alerte, toutes mes comtesses. Et on va passer au tour suivant. Pas fini de biopuit. Si! Non? Ah non, prochain tour. Non! Mon explorateur! Bon, ça c'était évident de toute façon. Aïe! Oh la vache! «
Ok. Alors. Oh non, mais non, putain, j'ai deux nids d'extraterrestres qui ont popé. Oh, mais sérieux, les gars, stoppez ça, quoi. Alors, c'est con, mais je suis obligé de la soigner parce que sinon, je me fais éventrer, quoi. Pareil, là, on va les soigner. Ici, lui on le dégomme. Parfait. Là c'est du combat rapproché, on est d'accord. Donc si je vais là. Oh par contre. Merci. Alors c'était peut-être un peu crétin parce que du coup il risque de m'attaquer. Du coup va falloir que je les fasse reculer. Mais enfin, normalement j'ai une vétérance. Si j'arrive à résister, il y a du Eidolon là. Là, il y a mon golem, là, d'accord, ouais. Bon. Normalement, ça devrait le faire. Et en plus de ça, j'ai encore des Eidolons qui arrivent. Très bien. J'ai fini ma ferme. Ah, puis il va y avoir le nœud, donc là, il faudrait que j'arrive à rejoindre ici. Oh, putain, quel tour. Toi, t'as fini le bio-puits. Très bien. Adam Kyle, on va faire un maestro. Ça prend 8 tours. Putain, mais c'est vraiment lent. Là, on va faire quoi, Eidolon? Ça prend un tour, mais vas-y. Fonce, quoi. On va faire que ça, mais... C'était là. Tour suivant. Ok, c'est chaud là. Non! Ils m'ont buté mon... Ah, les salauds. Très bien, on revient ici. Ah, du coup, ça a saturé, je suis désolé quand je fais... Non! Ouais. Désolé pour la gêne. Hey, du coup il m'a bouffé un ouvrier, ça c'est à prévoir. Ça on va en profiter, bam. Ah cool, ça fait une unité en moins. Là par contre... Oh, vous êtes sérieux les gars là? On va faire un messager. Faire des raids aériens. On va essayer de défendre notre ville parce que. Parce que là, ça va pas là. Eidolon, non. Centre de commandement, non. Ah, est-ce que je peux éventuellement acheter un truc avec ça? Ouais, non. Non, je peux pas. Ça coûte trop cher. Ok, bah, on va essayer de. Le biopuits est fini. Toi tu vas rester là. Bah écoutez, tu vas me faire quand même le centre de commandement. Hein. 18 tours, mais t'y arriveras jamais. T'y arriveras jamais, ma chérie. On va quand même essayer ça. Vétérance obtenue. Toi tu vas faire des dégâts. Voilà. Ouais.
Déjà, toi, tu vas crever. Là, il faut que je finisse mon nœud, comme ça va soigner mes unités. Et là, toi, t'as plus de vie, mais tu vas crever. Déjà, ils m'ont pété mon autolu, je sais plus quoi, là. Ça, c'est moins drôle. Très bien, ici, il y a Deep Castle. Oh, je peux faire le tauron au photique en 6 tours. Bref, on va faire ça. Ouais. On va faire ça. Faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse vachement gaffe à ma ville. La manière la plus simple de remporter la partie, c'est d'en écrire les règles. C'est vrai. Bénis soient ceux qui se laissent habiter par la machine, car ils se libèrent ainsi de la douleur. Et ça c'est parfait parce que du coup j'ai deux... Bah nickel, voilà. Vous voyez que j'avais des... Des messagers ou je sais pas quoi là. Ah non, je suis jusqu'au niveau 16. Ah oui, je suis 16 de pureté. Ah ouais, d'accord. Ou alors j'ai ça, soit automatique à chaque tour, 50% d'attaque en une ville. Ah c'est pas mal. On va faire un prédateur et là c'est quoi? Ah c'est le RAS. Alors je peux faire soit ça, RAS d'élite, RAS supérieur. Ouais, RAS véritable. 30% d'attaquant. Bien. Ok, alors là... Il s'agit de la jouer intelligente. Merde. Alors, ça déjà. On va les poursuivre. Ok, très bien. De toute façon ils vont... Ah bah si, du coup ils vont se poster là. Ah bah je les ai dégommés. Très bien. Et lui on va l'amener ici. Parfait, lui on l'amène là. Et on finit le nœud. Ça va être parfait. Ok bah là toi tu vas pouvoir te rendre Oulala, toi tu vas... t'as du chemin à faire. Ah, j'aurais sans doute gagné la partie. Donc lui, il en est installé réfugié, c'est en cours, c'est sur 20 tours. Moi, il me reste 13 tours. Il reste 13 tours, les enfants. 13 tours. Putain. C'est chaud. Cantine civile. Ouais, tu vas me faire ça. Vanfall, qu'est-ce que tu me fais, Vanfall? Fais-moi une raffinerie d'eau. Ou ça, non. Énergie à terre ancestrale, c'est pas mal. Ouais, je gagne beaucoup de culture. Finalement. Tac. Ah bah, il y a un nid d'extraterrestre là-bas. Choisir une construction ici. Clairement, un recycleur. Est-ce que tu as fini l'aéroche? Oui. Ah, parfait. Parfait, parfait. C'est nickel. Donc là, ce qui est cool, c'est que j'ai 3 troupes de Eidolon qui vont venir quand même m'aider à défendre. Lui, du coup, le messager, je vais pouvoir le foutre là et je vais pouvoir faire des balayages aériens. C'est parfait. Nouvelle technologie, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Chimie organique. Ah, j'avais dit que ça pouvait être cool. Bio-usine, générateur énergie plus 1. Ouais. Sinon, il y a ça, préservation de l'humanité. Ah ouais. Induction sismique. Sinon il y a biosphère 10%, ouais. Énergie plus 1 pour chaque dôme. Faudrait que j'augmente ma suprématie. Ah ouais, c'est ça qu'il me faut, Ange. On va faire ça. Il me faut cette unité. Il me faut cette unité, Ange. C'est ça qui me manque. Avec l'achèvement de la toute nouvelle chirurgie optique, donc... Citoyen bénéficie de services de soins améliorés, l'état de santé de notre colonie est au beau fixe. Très bien.
Champ de vision pour les unités militaires, cabinet. On va augmenter le champ de vision de nos unités militaires. Une opération secrète a été découverte à Manoel, très bien. Donc là ça résiste, je vais finir mon nœud. Je vais essayer de choper mes mon ouvrier qui se barre. Mais avec le nœud là ça va être beaucoup plus simple, je vais pouvoir me soigner. Putain, ma gagne il est... Ah bah c'est ça là, porte de l'exode, monorail magnétique, c'est ça, il faut que j'aille le choper ça. Oh ouais, il faudrait que j'essaie de faire une attaque. Donc eux clairement, ça va être des troupes, on va aller le faire chier carrément chez lui. Oh putain les mecs, ça va jouer à peu hein. Oh je stresse là. Il faut que je lui roule dessus. Taxe foncière. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? On va en profiter pour les dégommer. Pas de sous-marin africain chez moi, merci. Ah merde, c'est trop long. Parfait, toi tu les dégommes. Parce que ça me fait de la culture ça, donc on en profite. Là, alors. Ah du coup il a reculé, parfait. Toi tu vas faire le corail. Alors attendez. Du coup, je vais en profiter, bam, pour le récupérer. Et mon ouvrier, est-ce qu'il a fini le dôme? Ah non, encore deux tours. Allez, on se soigne. Du coup, et là, pareil, on fait le chemin. Ah, mais il y a une ville ici, il y a Tabo. Très bien, je ne savais pas. On va se caler là pour éviter qu'il vienne faire chier. Parfait, production Afsharan. Complexe de lancement. Ouais, attendez, on va booster un peu la culture. Parce que si je peux avoir des valeurs qui m'aident, bah, ça m'arrangerait là, clairement. Ah, ça y est, non. C'est pas fini, non. Pas encore. Si j'arrivais à lui choper sa ville. Ah ouais, il est un exterminateur. Mais si j'arrive à faire une ange là. Ou je sais pas quoi là. Oh, ce serait cool. Opération secrète des Slaves Charan. Très bien. Vétéran stack. Voilà, tu vas le finir. Nickel. Et je vais gagner un citoyen à Citadelle là. Alors normalement, j'ai un messager là, si je dis pas de bêtises. J'ai pas de messager ici. Ah non, j'ai un prédateur. Ah, il est là, oui. Prédateur. Si je fais un balayage aérien. Oh, je peux aller là. Attends, on va le réaffecter. On va le réaffecter à Wide Away. Usine de Xeno. Production plus 6, ça, c'est ce qu'il me faudrait, ça. Qu'est-ce que tu peux me faire en unité complètement. Un exterminateur. 3 tours. On va essayer de faire un exterminateur. En attente d'ordre ici. Tu as fini la ferme. Parfait. Tu vas aller là. Tu vas virer les pièces. Et là on se soigne. Ah, l'autre il a pas fini encore le... Hop. Ok.
Ok, on va éradiquer ça dans peu de temps. Là, on va défricher la zone. Ok, voyons voir. J'ai plus... Ah, il nique plus quand même. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Je sais pas ce que c'était, mais je l'ai pété. Ah, cage à drone. Ouais, purée. Lui aussi... Ah, j'aimerais bien lui péter son unité de... J'ai une vétérance. Putain, mais c'est nimp. On va essayer de se faire de l'XP quand même. 28-30. Allez, on attaque. Parfait, ici on reste en état d'alerte. Toi, tu finis ce putain de... Le nœud est fini, ah nickel. Bah du coup, tu te soignes. Vous vous soignez aussi. Ah, et là, attendez, mon prédateur. Est-ce que je peux faire un balayage, un petit balayage aérien? Hein, la patrouille aérienne accompagnée de votre chasseur n'a rencontré aucune résistance. Ah non, c'était pas ça que je voulais faire. Non. Shit. Ah ouais, non, tu peux pas faire comme dans Civ 5 où il bombarde un peu, non? Ah ouais, merde. À moins que ce soit une autre commande, du coup. Mais, bah, un agent secret de l'ARC a été identifié à Deep Castle. Ah merde, il a pu s'échapper. Agent secret tué. Un agent secret de l'Union Africaine a été tué à Ilémouir. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Un peu de science, ça fait toujours plaisir. Là j'étais en train de faire quoi là? C'était à Manoël, ouais. À Manoël. Arche de la terre ancestrale. Oh. Qu'est-ce que ça vient de faire là ça? Bon, ça fait pas grand chose hein. Merci. Et il y avait de la Phyrexite en plus juste en dessous. C'est merveilleux. Là. On va rester en état d'alerte. Ouais, ça va être compliqué de lui prendre sa ville. Parce que vu comment il me martyrise ici, là, il me faudrait... ouais. Prendre, choper Tabo. Mais attendez, je regarde. Parce que là, ça me fait flipper quand même. Ah, il a... 2 sur 20, très bien. Ça veut dire qu'il lui reste 18 tours, alors que moi il m'en reste que 10. Mais parfait, allez on va faire les 10 tours maintenant. Ça va être le dernier épisode chers amis, il faut qu'on gagne maintenant. Et en 10 tours il peut se passer des choses. Ah il fait chier lui, ouais évidemment il va m'attaquer. Ah même pas, il a pas réussi. Bon, l'autre on s'en fout. Lui il a fait le biopuits. Bah tu peux dormir. Toi tu peux rester en état d'alerte. Là vous vous soignez. Là on attaque. Putain toujours pas. Allez. Merci. Vraiment ils peuvent se soigner sur le terrain. Donc ça c'est cool. Voilà. Exactement ce que je voulais. Bon, du coup, ils vont se faire péter au prochain tour, mais c'est pas trop un souci. Interception aérienne. Ouais, non. Je peux pas faire ça. Allez, oh, regarde, c'est ça ce truc-là. Porte de l'Exode. Oh, oh, oh. Faudrait que j'arrive à contourner avec une grande quantité d'unités. Interception aérienne. On va faire ça. Oh oui. C'est puissant quand même. Ah, il y a un truc quand même qui est assez étonnant, c'est que le type a une ville. Il a fait des monorails d'ailleurs.
Le type a une ville de 16 habitants, sauf qu'il n'y a absolument rien d'aménagé autour. Je ne comprends pas. Quoi qu'il en soit, faudrait vraiment. Ce serait cool qu'on arrive à lui parasiter son truc. Ouais, ce serait pas mal. Ah ouais, du coup l'autre il est là, donc on va reculer. C'est quoi du pétrole? Le pétrole, j'en ai rien à foutre. Et en plus je vais avoir une valeur au prochain tour. Tout cas l'ange là, ça va faire plaisir. C'est chaud les amis, c'est chaud. J'attends avec ah, impatience merveille terminée. De ces injections de capital solaire dans des écosystèmes benthiques moribonds. Toute perturbation est forcément positive. C'est vrai. Là, on va se faire un biopuits du coup. Et là, ah, j'ai un exterminateur, très bien. Là, merde. Non, tu vas reculer plutôt. On va se soigner. Là, on reste en état d'alerte. Ici, tu vas du coup réparer quand même le pétrole. Et là, on ramène tout ça. Oh! Ah, il y a du peuple ici. Hein. Va falloir déblayer tout ça. Il y a toujours trois. Ouais, les spots de. Les spawns de. Dès que ça intéresse, sont toujours les mêmes, ça c'est un peu con. On va faire un. Vas-y, un dôme. Et du coup, à 10 500. On va faire un réseau. Afsharan, on va faire un fourneau. À Citadelle, on va faire. Oh, je peux faire un golem. 4 tours, on va faire un golem. Et ici, qu'est-ce que tu peux me faire? Une auto-usine. Très bien, et une valeur. Alors soit je fais ça, soit... Ah ouais, arme intégrée, c'est ce qu'il me faut. Bam. Donc là, je vais produire les unités à fond, quoi. Décision de quête. Véritable symbole de notre histoire, l'arche de la terre ancestrale permet de préserver notre héritage et notre patrimoine. C'est large, je trouve la culture de la ville plus 5%. Ouais. On va améliorer un peu la culture. Et je produis 200 de culture, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Opération secrète décelée. Ok, parfait. Là, il tente l'approche. Ouais, sans doute, ça va être compliqué de lui prendre le tabou. Hein. Franchement, ça va être très compliqué. Ici, j'ai un maestro. Parfait. Putain, j'ai des productions partout à n'en plus finir. Là, tu vas me faire ça. À Dunkill, tu vas me faire ça. Là, on va améliorer un peu la science. Ici, un truc qui prend pas 100 milliards de... Bon vas-y, fais-moi relique, c'est relique. Ah mais c'est parce que t'as 15 citoyens toujours. Ah mais c'est pour ça, ça pue. Très bien, vous allez revenir là. Là, je peux l'attaquer. Il n'a pas apprécié. Ah, je peux pas l'attaquer là. Damn. Ça fait chier. On va faire reculer notre ouvrier. Comme ceci, et là tu vas rester. Voilà, vous allez continuer de vous soigner. On va quand même essayer de se faire une petite attaque si jamais j'ai le temps. Ça se trouve j'aurais gagné avant, mais. Ah, j'aurais pas découvert l'ange du coup. On va quand même envoyer ça pour voir combien ça fait de dégâts à la ville. Il est à combien? Il est à 2 et je suis à 7.
Ah ouais, lui ça avance pas en fait. Oh merde! Je fail. Parfait. Donc là tu défriches, là tu défriches. Et c'est le tour suivant. Plus que 7 tours, chers amis. Ok, je vais péter son truc. Nickel. Putain, il avait des grosses villes, n'empêche l'Africain. 22, 20. Ah, il était bien, hein, le bourre. Parfait. Nickel. Bon, vous êtes soigné. Toi, tu vas passer par là. Toi, du coup, tu vas rester là. Là, on se soigne. Ouais, parfait. En plus, je les améliore, donc c'est nickel. Là, on va se faire attaquer. On va rester en état d'alerte. Voilà. Parfait. On va pouvoir reconstruire. Continuer la construction de notre dôme. On va faire des fermes. Cette ville grossit très rapidement, c'est ça qui est bien. Au moins j'aurais découvert le téléchargement neural et je pense que je serais passé niveau 15 en suprématie. On va attaquer. Voilà, la grosse crevette martienne est décédée. Elle ne nous fera plus chier. Parfait. Transmission diplomatique en attente. Le commerce fonctionne. Ça faisait un moment qu'il m'avait pas demandé. Ouh, par contre, j'ai 1540. Ça pourrait être l'occasion d'acheter une unité gratuite comme ça. À voir. On peut faire échelle de dédale ici. De toute façon, j'aurais pas le temps de la finir. Ah ah. Lui, il est arrivé. Alors toi... Est-ce que tu... Oui, tu peux. Là, on répare. Là, on revient. Très bien. Unité en attente d'ordre. On va rester là. Ok, il recule. Ah non, il recule pas, non. Ok. Je regarde, il reste combien de tours? 4 tours, les gars. Ce sont les 4 derniers tours. Attention. Anti-orbital, préparer une attaque à distance. On va se mettre là, nous. C'est un ordre. Ouais, je vais attaquer. Ah, et j'ai un golem en plus. Parfait. C'est parti, j'attaque. Je lance mon attaque. Faut que j'essaie de lui choper. J'ai 4 tours pour essayer de lui piller son truc ou je sais pas. Ce serait assez drôle. On va faire ça. Ah non, 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 non. Non, surtout pas, non. Distillerie de Soma, voilà. Du coup, à Citadelle, là. Fais-moi une autoluge.
J'ai de la chance parce que là c'est des eaux peu profondes donc je peux les traverser super facilement. Oh. Oh putain, j'ai pris cher là. Qu'est-ce que c'est ça? Géliopode. Ça y est, j'ai découvert l'ange. Neurologique d'un individu sur un ordinateur à toute fin. C'est une unité exclusive. Vous voyez la mort, la maladie, le vieillissement et la sénescence, et ressentez toute autre émotion que le dégoût. Alors vous êtes emprisonné par les sentiments. Vous devez émanciper votre propre pensée avant de pouvoir aider vos semblables. Ah. Transmission diplomatique en attente. Oui, vas-y. Lui, on va le... Tac, tac, tac. Putain, il a pris cher. Ah, mais non, attendez. Oh, il avait un bel empire, lui. Hein. Ah, ces villes, il les a faites assez proches. Oh, putain, la vache. Truc de fou. Truc de fou. Oh, je fais zéro dégâts quoi. On va reculer et on va se soigner. Très bien, toi tu vas pouvoir dormir. Je choisis une production Afsharan, les toutes dernières de toute façon. On va faire ça. Je peux choisir une nouvelle technologie. Ouais, j'aurais pas réussi à atteindre le niveau 16. En suprématie, c'est triste. 10 tours, ouais, ça va me prendre trop de temps. Faire ça quand même. Ah ouais, il y a ça, putain, en plus. Attendez, ça prend combien de temps de produire un ange. Ah merde, il me faut... Ah, j'ai pas assez. Mais ça faisait combien, attends? 78 de puissance. Ah ouais, et en plus ça pouvait attaquer à distance, c'est nimp. Attendez, j'aimerais juste voir. Xeno S1, Exterminator, Virtuose. Y a pas ange. Ouais, je sais pas si tu pouvais l'améliorer de toute façon. Bah écoutez, ça va être la fin. On est à combien? Allez, 3 tours. Tour suivant. Trois tours. Là, il éclate. Je me prends tout dans la gueule. Ça fait... Ouah, putain, je me suis tout pris dans la gueule. Bam. Oh, même pas quoi. Oh là 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 là, j'ai fait quand même mes dégâts. Hein. Franchement, qu'on se le dise. Oh fuck! Oh, c'est ça les Destroyer Lev! Ah ouais, c'est pété. Ah, les Destroyer Lev, c'est complètement. Putain. Ok, alors ça va être compliqué de lui choper sa. Bon, bah je me suis fait violer, hein. C'est le cas de le dire. Si tu veux. Ça faisait du dégât n'empêche hein. Alors c'est con parce que je me... Du coup j'avais plein de troupes. Là je ramenais des troupes de partout. Toi viens. Toi viens. Ah, je peux quand même attaquer. Oh oh oh, porte de l'exode, dégâts 100. Oh, mais en fait... Oh, j'aurais pu la péter, quoi. Genre vraiment lui faire vraiment beaucoup de dégâts. Et lui niquer ses chances de victoire. Oh, ça aurait été sublime.
Allez, les murs, on va faire ça, hein. Allez, on fait n'importe quoi d'ici les cantines, vas-y. Vas-y que je te fais des cantines. Et j'aurais même pas pu faire une ange. Je suis deg. Je suis deg. Faire virtuose. Allez, de toute façon, c'est fini. Pépinière. Et là, on va faire une petite usine. Globalement, je serais arrivé à combien? À quasiment 17 habitants à Deep Castle. Alors que l'autre, il a que des villes à 20, tu sais. Unité en attente d'ordre. Bah, vas-y, fais-moi un générateur. Et puis voilà, n'en parlons plus. T'as fini le dôme, toi? T'as pas fini le dôme. Toi, tu vas rester là. Ah, j'avais quand même énormément d'unités là. Ah, je me préparais à venir pour lui péter les dents. Mais vu qu'il a des destroyers lèvres. Cette unité est complètement énorme aussi. Hein. Mais j'aurais pu au moins lui péter sa porte de l'exode si j'avais voulu. Vas-y, passe le tour. Ouais, il a fait vraiment beaucoup de convois commerciaux entre ses propres villes en même temps, donc c'est pour ça. C'est pour ça aussi, regarde, toutes ces villes sont à 20, 21. Il a fait que des convois commerciaux entre. Ah, il m'a pété mon exterminateur, quoi. Bon. Il me reste encore un tour, les amis, c'est le dernier. Le dernier tour, ah, ça fait bizarre quand même. C'est un ordre. On va voir ce qu'on va se prendre. Ah bah rien. Vu que de toute façon... Tac, voilà, bah voilà, c'est bon. Et là, ben, allez, les clines d'augmentation. Le petit, je sais pas, observatoire à Dunkyle. Et la décision de quête, l'objectif premier des cantines civiles est de fournir à manger aux citoyens. Ouais, vitesse des ouvriers, bim. Ça, c'est fait. Et puis, on peut passer le tour, chers amis, c'est la fin. Normalement. Normalement, c'est la fin, hein. Parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Wow. Ah, ils m'ont pourri mon ouvrier. Mais bon, de toute façon, c'est fini. Et voilà, c'est fini. 3 succès. Attention. Aujourd'hui, l'humanité émerge des ombres de l'isolation. L'ultime question, sommes-nous seuls, a enfin trouvé sa réponse. Il n'existait aucun moyen d'anticiper sur qui ou sur quoi nous allions tomber. Mais nous savions que nous étions prêts. En tant qu'ambassadeurs de notre planète, de notre espèce, nous nous avançons hardiment pour saluer nos nouveaux camarades et trouver notre place parmi les étoiles. Ah, c'est beau. Chaque étape de notre histoire nous aura mené jusqu'ici. Aujourd'hui, l'humanité émerge des ombres de l'isolation. L'ultime question, sommes-nous seuls à enfin trouver sa réponse? Il n'existait aucun moyen d'anticiper sur qui ou sur quoi nous allions tomber, mais nous savions que nous étions prêts. Et en tant qu'ambassadeurs de notre planète et de notre espèce, nous nous avançons hardiment pour saluer nos nouveaux camarades et trouver notre place parmi les étoiles. Bon, c'est ce qu'elle vient de dire, la fille, mais bon, c'était pas très fort. Et ben voilà, c'est fini. Donc, chers amis, on va s'arrêter là. J'ai gagné 6 succès, je suis content. J'espère que cette série vous a plu. Je reviendrai peut-être sur Beyond Earth. Mais bon, vu que le 6 va sortir, je vais me concentrer plutôt sur ce titre-là. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt pour les nouvelles séries, pour toutes les nouvelles choses qui vont arriver. Et puis portez-vous bien. Ciao, ciao!